Yann, je le perçois plutôt directement comme quelqu'un de mutilé. C'est totalement ça en fait, mutilé. Tout à l'heure, je parlais de peur, de la peur qui te met un mur en face de toi, t'as ta vie droit devant toi. Chaque peur met un mur en face de toi. Cette peur, tous les jours, inimaginable, le mutile. Et à la fin, c'est plus quelque chose de vivable. Il sait éperdument de qui il est amoureux. Éperdument, il le sait. Il le sent. Il n'y a pas besoin de tests scientifiques pour savoir. Non, il le sait. Éperdument. Mais ce blocage entre le public, les personnes qui sont autour de lui, sa famille aussi, qui peut ressentir des désaccords au niveau de son homosexualité, et le bloc. Et malheureusement, comme je disais, la question, c'est, tu vois, un peu, tu disais, comment le dire, tout au début, mais comment le dire? Je dirais plutôt, mais comment il va avouer les sentiments qu'il a? Quelque chose de super difficile.